Yop yop tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je sais pas encore lequel titre je vais mettre, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à ouvrir. Et bon, il y a pas mal de choses à ouvrir parce que comme vous entendez, je suis avec des gosses. Donc on est sur Discord avec... donc il y a Léo, il y a NTM, et est-ce qu'il y a encore les autres? Y a Boy Boy Il y a aussi. Boy Boy toujours. Et oui. Et Ah, c'est tout. Snake. Oui. Voilà. Ah, Du coup... le danseur fou, on l'appelle. Ouais, Maintenant, on bah, l'appelle. envoyez la vidéo d'ailleurs. Ah, Je sais pas de quoi vous tu l'as parlez pas? là. Mais non! Ah, Du coup. c'est sur Marvel France. Ok, j'irai voir. Du coup, il y a un 5 et un 6 à ouvrir. Mais avant de commencer par ça, j'avais oublié que j'avais ça que j'avais gardé. Enfin, que j'avais gardé, que j'avais pas encore ouvert de. Comment ça s'appelle? De la quête des femmes là. Bon, il y a un cristal de cœur brisé, on va l'ouvrir en rapidement. Ça, on s'en fout. Ça va encore T'as être pas là. gardé les trucs là? Oh! Fin invisible en 4. Ça se prend. J'allais claquer, ça va encore être un 2 ou un 3, mais du coup, on m'a un peu Aussi, faut fait qu'il faut. fermer ma gueule, donc ça se prend. Et là, du coup, il y a 9 cristaux du grand maître. J'en ouvrir 4 en les faisant tourner pour le truc. Et bon, voilà, les cristaux du grand maître, c'est pas des drops ultra incroyables. Donc après, les 5 derniers, je les ferai pop, surtout que je me rappelle que Ghetto me disait que ce genre de cristaux de merde, en les faisant pop, c'était toujours mieux. Donc en soi, s'ils peuvent me donner 2, 3, 4 étoiles, c'est déjà pas mal. Sinon, un seul 5 étoiles pour que du 3 étoiles, ça ira. Donc ça commence par Wolverine 3 étoiles. Bon après, je m'attends pas spécialement à un truc de fou. Je sais pas, il y a quoi dans ces cristaux si c'est que des femmes. Ah, il y a Thor! Ah ouais, non, il me faut Thor du coup. Ouais, il y a tort, ouais. Ah, c'est les cristaux du grand maître, mais c'est spéciaux. Ouais. D'accord, c'est les trucs de cœur brisé, là. Ouais, c'est ça. Oh, le petit relover, t'aurais plus là. Bon, il n'y a que du 3 pour le moment. Après, en même temps, c'est normal. Hein. Les cristaux du grand maître, je sais même pas s'il y en a encore qui en ouvrent. Enfin, là, j'en Il ouvre, y a mais. Forge aussi, hein, de la vie. Ah, bah, je l'ai pas encore vu. Il y a c'est quand je Ah, l'ouvre. si, bah, là, il vient de. Il y a la mort aussi, il y a la mort, hein, d'ailleurs. Ouais, bah, écoute, voilà. Que du 3 étoiles pour le moment. On fait popper les 5 derniers, on verra bien. Toute façon, c'est pas La les mort ou cristaux tirer. vraiment les plus importants. Bah, il y aura qu'un seul 4 étoiles. Clairement pas ouf. Cristaux légendaires, non? Cristaux légendaires? Non, je l'avais ouvert. Enfin, attends, je sais même plus. Si, je crois que je l'avais ouvert dans un live. Bah, le live que j'ai fait. Attends, je sais même plus. De toute façon, j'ai tellement de cristaux. Parce que du coup, je vois rien. J'ai même encore des enveloppes rouges, je sais même pas de quand ça date. Et si j'ai un cristal légendaire, bien vu Léo. Cœur brisé. Ouais, il m'en reste un. Ah. Bien vu, bien vu. Du coup, ouais, Donc effectivement. on Ah, il y l'a a vraiment en Archangel plein aussi, top. putain. Donc la torche, Archangel, ou. Bon, Namor pour l'éveil, ou sinon le petit Thor. Qui, du coup, derrière, je claquerai direct ma gemme d'éveil sur lui. La dernière. Allez, tourne! Putain, le Spider-Man, ça aurait pu être l'éveil. Bon, du coup, Angela 4. J'ai vraiment pas de chance sur ces tirages. Bon, de toute façon, on s'en fout. Ça, c'était vraiment pour mettre une mise en bouche. Là, on va partir sur le 5 et sur le 6. Donc, 5, bah, comme j'arrête pas de le dire, c'est massacre, massacre ou massacre. Parce que bah, pour aller dans l'acte 6, en vrai, j'aimerais bien avoir le petit trio, même si sur pas mal de quêtes, il n'est pas vraiment utile d'avoir le trio. Bah, ne serait-ce que d'avoir Massacre au moins en 5 ou en 6, ce serait bien pour pouvoir me le faire et arrêter de jouer avec mon 4, voire de ne quasiment pas le mettre parce que le 4 est inutile du coup, si ce n'est pour la synergie. Mais bon, quand vous voyez tous les persos là que je vois passer, la plupart sont juste incroyables. Ah, Taras. Oh oui! Le C'était quoi le truc d'avant? C'était Captain America. Il était tombé sur. Je t'en ai parlé il y a 2 secondes. Enfin, pas 2 secondes, mais il y a 5 minutes. Deux personnages que tu voulais, tu connais pas? Que je connais pas. Ah, il y en avait un paquet, gros. La chose, Sunspot, Torch? Non, non, bah non, ça je connais un minimum. Un personnage où je t'ai Perso? posé une question. Ah, que tu connais pas! Il y a Bloodstone, alors en DVD? Non, attends, 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 attends,
Je suis en mode chatard, c'est un truc de fou. Attends, que tu connais pas. Je t'ai posé une question. Je t'ai posé une question sur ce Mais oui, personnage. je le sais. Attends, oh putain. Attends, tu m'as posé une question sur quoi? Sur elle. Ah mais oui! Ah putain, Black Widow! Bah ouais! Je Bah suis tiens, mort. tu vas la monter, hein. Sans doute suprême, je tolère le... elle non. Ça Tu vas marche, monter l'IA. bah espérons avoir des. De toute façon, là, je vais bientôt finir la variante 3. Donc j'aurai. Parce que j'ai pas encore ouvert du coup toutes mes gemmes de rank up. Et bon, avec un peu de chance, on pourra choper un peu de des gemmes qui, bah, de toute façon, vu tous les persos que j'ai à monter, tout sera intéressant. Donc Mais t'as plus que voilà. tes 5B? Si, 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 j'en ai, mais là, c'est du. Comment on appelle ça? 1, 2, 3, c'est du T1A qui me manque. Comme je suis pas en alliance, je gagne très peu. Ah, du T1. Bah, il y a le VS si tu veux là. Ouais, bah je vais voir. Après les VS, je t'avoue que ça fait Bah, t'en as plus. longtemps. Il y a la boutique de gloire maintenant. Ouais, j'en Alors, prends un bien par sûr. semaine. J'en prends un par Ça va pas semaine, il me reste baisser. 15 000 là. Bon, allez, le 6 étoiles, là pareil, je vois plein de trucs passer. Putain, en plus, tu vois, le 5 étoiles, quand j'ai vu que ça allait s'arrêter sur Captain America, je me suis dit, ah ouais, là on est vraiment retombé tout au fond. Et Ah, tristesse. pour une fois qu'il y a le rollover qui est intéressant. Bah là, t'as chopé un des meilleurs persos du jeu. Allez, le 6 étoiles. C'est vrai. Parce que bon, ils arrêtent pas de me donner de bons trucs en 5 étoiles, mais bon, je le sens bien le 6. Pff. Cyclope. Mec, t'en as parlé pareil. T'en as parlé Ah, il y a. perso mauvais. Moyen, mais je vais te dire utile contre Terrax. Enfin, utile. Diablo, Diablo. Non. Le crâne rock. Non. Enfin, pas utile dans ce sens-là, mais t'en as parlé. J'en ai parlé. Ah, Bishop. Ouais. Moi, je l'aime bien personnellement. Après, je pense que c'est pas un des meilleurs persos à avoir. Oui, Mais bah toujours après, mieux. mais, ouais, mais le problème de mes 6 étoiles, c'est que c'est ça le problème. Ils sont tous, ça va. Mais. C'est un peu mon problème aussi. C'est que j'ai beaucoup de bons persos, mais pas exceptionnels. Bah, t'as la torche. Oui, non, mais j'en ai. Bien sûr que j'en ai, mais comparé à tout ce que j'ai, tu Parce vois. que tu vois, moi, dans les derniers tirages que j'ai eu, du coup, bah, j'ai eu Darko qui est la chose. Darko, enfin, tu sais que j'aime bien. Et la chose, bah, pas besoin de dire. Mais sinon, bah, Dent de Sabre, bon, il est éveillé, donc en soi, c'est bien. Mais bon, c'est pas le perso 6 étoiles que tu vas mettre dans toutes tes quêtes. Thor, Ragna, Heimdall, Angela, Captain America, World War II, Tornade, Fléau, Moon Knight, Yellow Jacket. Et après, bah, dans ceux que j'aime bien et que je pense pouvoir utiliser, entre guillemets, bah, il y a la chose Bishop, Darkhawk. La chose ça va, mais t'as en vrai Bishop ça passe, Moi j'aime bien Bishop, pas j'aime bien parce que c'est joué full bah moi je l'ai parade 6 R2 et. maintenant. Ah ouais, carrément, tu l'as R2. Bah je l'ai éveillé, moi je l'ai 6 R2. Ah bah regarde, il y a une de mes dernières vidéos d'actualité, faut pas voir, franchement c'est assez fun avec Bishop. Ça marche. Il fait quoi son éveil déjà? Le truc qui lui permet d'avoir fait ce, tu sais, qui transfère le pouvoir d'un combat à un autre. Ouais. Selon le pouvoir que tu avais en commençant le combat, en tout cas avant le combat et du coup avec lequel tu vas commencer le combat, ça te donne un effet. Genre si tu as moins de 0 barre de pouvoir, par exemple, tes super pouvoirs vont être imbloquables à partir de coups de fouet, par exemple. Ok. Des trucs comme ça. Bah attends. C'est des effets comme ça. Non, je crois le 5, je l'ai pas éveillé non plus. Mais bon, après, sinon, j'irai lire sur la fiche du 4. Ouais, non, le 5 est pas éveillé non plus. Et en 4. Ouais, il C'est l'est. un bon éveil, mais c'est pas mon truc. Bah, c'est un chat, t'es quand même pas mal, hein, moi je dis. Hein. Bah, comme d'hab, hein, j'aimerais te dire. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. 0 barre, ouais, imbloquable. Une jauge, lorsqu'il bloque, il gagne immunité aux étourdissements et les ennemis perdent. Après 2 jauges, je dépense l'incinère. Après 3 jauges, j'entame le combat avec tir constant actif. Ah oh, putain, comment ça, avec tir Tir constant, ça doit constant, être ça pas augmente tes mal. dégâts. Ouais, Ouais, je me ensuite. souviens. Oui, je me souviens, je me souviens. Ah, il y a des chevaliers avec les unités. Bon, Ouais, il y en a 10 et t'as 1000 les classiques, je crois. C'est l'offre qui est popée hier. Bah c'est écoutez, en tout intéressant cas, ça. voilà. Attendez, on va voir s'il n'y a pas d'autres trucs à ouvrir. Enfin, mieux qu'un 6 étoiles, j'aurais pas, je pense. Mais bah écoutez, c'était pas. Bon, à part évidemment les petits cristaux de merde que j'ai ouverts avant.
Le 5 étoiles, bon, bah, il n'y a pas besoin de... A priori, parce que bon, je ne connais pas spécialement. Il n'y a Ah, pas tu vas besoin... kiffer. Ouais, bah, j'espère. Après, j'ai vu qu'il y avait plusieurs modes, plusieurs trucs en fonction de ses immunités. Enfin, ses immunités, elle en a plusieurs en fonction de certains modes, je sais pas quoi, mais bon, je Il y a pense que... Soupen qui vient d'arriver, dis pas ce que t'as chopé enfin. Ok, bon, bah, je dirais pas que j'ai eu Black Widow, du coup. Aïe, il va pas être content. Non, il n'entend pas. Ok. Ah, par contre, j'ai masse de trucs à ouvrir en cristaux, c'est un truc de fou. On verra plus tard pour ça, j'ai encore les enveloppes, mais bon. J'ai des gemmes de rank up 2 à 3 et je dois en avoir normalement des 3 à 4 aussi. Bon, voilà. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bah, je vous donne rendez-vous, je sais pas quand pour la prochaine, mais enfin bon, comme vous pouvez le voir, il y en a de plus en plus. Merci le confinement. Et bah, il y aura de quoi monter. J'ai encore énormément de persos à monter, donc j'ai pas spécialement de priorité pour le moment. De toute façon, ça va dépendre surtout de mes objectifs. Et bon, je suis en train plus ou moins de les revoir, vu qu'avec le confinement, je reprends plus ou moins petit à petit. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai déjà une quinzaine de persos à monter. Et bah, déjà, il y a les 4-6 étoiles à monter, ça prend énormément d'iso. Il y a Symbiote Suprême, qui du coup, il y a la fin du R3, je crois. Là, c'est ça, c'est la fin du R3 à monter. Et que j'aurais aimé passer R4, mais du coup, on me dit de faire Black Widow avant. Et après, bon, bah, il y a tous les petits 5 étoiles que j'ai eu récemment, dont Ulcragnac, j'aurais bien aimé monter aussi. Donc on verra. Mais bon, de toute façon, comme il manque les T1A, on verra pour ça plus tard. Voilà, bah, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Et bah, on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos. Je pourrais pas vous dire quand, mais on verra. De toute façon, j'essaie d'en faire une tous les mercredis. Et voilà. Sur ce, bah, bonne fin de journée et bah, à plus tard.